au travers de ce que nous avons pu analyser dans le monde, quand je dis le monde, c'est les USA, l'Europe et la Chine, donc c'est quand même très restrictif. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un besoin donc pour aider ces personnes atteintes de DMLA, et ce besoin, ce sont des lunettes intelligentes, entre guillemets, qui vont permettre d'amener une image traitée à ces personnes. Nous avons donc une caméra qui prend le champ extérieur. Ensuite, l'image que nous en avons est traitée par un système informatique. Ce système informatique va donc augmenter les contrastes, voire inverser les couleurs. Ensuite, cette image traitée, nous l'envoyons sur la partie de la rétine qui sera le mieux perçue par la personne, avec, je dirais, quelque chose de plus, c'est que nous avons la possibilité de suivre le mouvement de la rétine. Nous avons incorporé à l'intérieur de ces lunettes un système qui s'appelle eye tracking et qui nous permet de suivre le mouvement de la pupille. Vous voyez, lorsque l'œil bouge, l'image se déplace et nous envoyons l'image sur la partie en vert, dessinée en vert. Voilà par exemple une vue de l'environnement extérieur. Et l'avantage de ces lunettes, c'est que nous pouvons faire du zoom, nous pouvons augmenter les contrastes de façon à faciliter les déplacements de cette personne. Alors, il n'est pas dit que l'on conserve les mêmes couleurs, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, on aura quelque chose qui sera bien adapté et qui permettra à la personne de pouvoir se déplacer, voire traverser la route en toute sécurité. Fin 2014, nous avons réalisé notre premier prototype, qui est un prototype de type fil de fer. Donc très simple, ce sont des lunettes simplifiées sur lesquelles nous avons installé toute l'électronique et que nous pilotons avec un logiciel qui nous est propre et que nous avons développé spécifiquement pour ces lunettes. Nous avons prévu cette année de mettre une dizaine de lunettes en bêta-test. En fonction des résultats que nous allons avoir, ce que j'ai prévu, c'est qu'à la fin de l'année, nous puissions lancer une petite production d'une centaine de lunettes que nous mettrons à disposition des premiers patients. Alors, ceci dit, je pense que dans le futur, nous ne nous arrêterons pas là, car ces lunettes pourront être utilisées également pour d'autres pathologies, et ça, c'est un point fort que nous allons développer par la suite. Mais allons-y étape par étape, et commençons par d'abord réaliser ces lunettes, les diffuser pour les personnes atteintes de DMLA. Merci beaucoup.